bonjour à tous les amis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle séance de sport. Aujourd'hui on est focus cardio abdos, donc brûle graisse ventre plat. On va commencer par un échauffement avec 30 secondes par exercice et ensuite on passera au circuit un peu plus intense cardio et on finira par un petit finisher abdos. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Donc on commence tout de suite, hop là, par faire des petits ronds de bras dans un sens et dans l'autre. Petit échauffement pour pas se faire mal, pour bien chauffer le corps, pour être encore plus chaleureux que ce qu'on l'est. Je suis contente de vous retrouver, on se rapproche de l'été là, ça y est. De plus en plus, chaque jour nous rapproche de l'été. Du maillot de bain, pointe de pied, top. Donc là, on reste bien droit. On fait l'effort de contracter ses abdos, d'avaler son nombril. Et on monte sur la pointe des pieds. On se grandit. On vient toucher le ciel. Carrément. On n'est pas du tout dans l'excès ici. Allez, on s'échauffe bien pour ne pas se faire mal. On va passer sur de la boxe. Top. Et là, on vient bouger. Toujours abdos gainés. On est stable sur ses deux pieds. Ne tendez pas entièrement le bras. Toujours le coude un peu plié. Et de plus en plus dynamique. Droite, gauche. Comme une danse. Allez, dans 3 secondes, on va faire une petite course à pied. Top. Là, on trottine un petit peu, on s'échauffe. On fait monter le cardio. N'hésitez pas à commenter, à me dire quand vous avez fait la vidéo, les amis. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça me donne de la force dès que je vois que vous faites la vidéo. Vous faites du sport. On va rajouter les points top. Allez, on court de manière un peu plus dynamique. Et en même temps, on fait du kung-fu. Ensuite, on va passer un gainage sur les coudes au sol. Allez, on s'échauffe. Top. Au sol, sur les coudes. Là, le bassin est rétroversé. Donc, on n'est pas le dos, les fesses levées ou le dos creusé. On est entre deux. Et on tient en statique. Et ensuite, on va passer sur le circuit cardio. Ça va être 45 secondes d'exercice et 15 secondes de repos. On tient. Top. Donc, on peut voir un petit coup si on veut. On repart dans même pas 10 secondes. Cette fois-ci avec un twist. Pendant 45 secondes, si c'est trop dur, faites les exercices 40 secondes, top. Arrêtez-vous à 5 secondes de la fin si vous débutez. Même à 35 secondes. Et si vous ne débutez pas, si vous voulez vous dépasser un maximum, on tient 45 secondes. Allez, on est sur la taille, on est gainé. Normalement, on ne peut pas tourner plus que ça. Respirez bien, le cardio commence. Allez, 5 secondes. Qu'est-ce que c'est 5 secondes dans une vie? Top. Respirez un peu, on va passer sur des coups de pied. Je commence par la même jambe, jambe droite en l'air pour moi. Vous pouvez commencer par la gauche, tout est possible ici. Vous êtes libre. Top. On essaie d'être dynamique, rapide, assez puissant. Pas besoin de monter la jambe très très haut. Mais soyez dynamique.
Et normalement, les abdos doivent se contracter. Vous pouvez toucher vos obliques. Ils sont durs, comme du béton. Allez, soufflez bien. Encore 10 secondes. À la fin, vous serez fiers de vous. On se sent toujours bien après avoir fait une séance de sport. C'est d'ailleurs top. Pour moi, la meilleure manière de commencer la journée. Faire du sport avec vous. Double bonheur. Allez, on souffle, on va faire la même chose. Jambe gauche. Top. Vous voyez, je ne suis pas très souple. Ça se travaille. Allez, coup de pied. Tu sens, dynamique, on ne se repose pas sur ses lauriers. Quelle expression. Si vous avez du mal à tenir en équilibre, vous pouvez vous appuyer contre une chaise ou contre le mur. Allez, on est gainé. C'est bien. Encore 10 secondes. On tient. Ça fait la cuisse aussi au passage. On travaille tout le corps. Top. Et cette fois-ci, on va passer sur un tic, sur un saut, pardon. Donc, sur un côté du tapis, on se réceptionne de l'autre côté. Sur une seule jambe si possible. Top. Et là, on essaie d'être puissant. On atterrit sur une jambe et on repart. Si c'est dur, vous pouvez vous appuyer avec l'autre jambe et faire des pas de patineur. Mais essayez de rester en équilibre. Sur une seule. Allez, on est puissant. Chorégraphie de breakdance. Mon tapis d'Aladin qui se bat. Qui part. 5 secondes. Top. N'oubliez pas que vous pouvez arrêter les exercices à 40 secondes si c'est trop dur, si vous débutez. Faites-le à votre rythme, mais faites la séance jusqu'au bout. Et là, on va venir. Tipping. On tape le sol. Pas besoin de remonter beaucoup les pieds. On les décolle un peu et on repart très rapidement. Genoux légèrement pliés. Dos droit. Abdos gainés. On va être dynamique. Tremblement de terre. 10 secondes. Voilà, j'espère que ça va pour les voisins en dessous. Deux. Un. Top. On respire un petit peu. On s'arrête pas en si bon chemin. Cette fois-ci, on va venir sauter en squat. Reculer. Et ressauter. Top. On essaie de sauter bien loin. Et d'atterrir en squat. Il faut qu'on rachète un tapis qui ne bouge pas. Allez, on saute loin. On prend de l'impulsion. En dessous du nombril.
Allez, ça y est, on est dans le vif de la séance. C'est ce qu'on voulait d'ailleurs. Allez, 5 secondes. Top. On souffle un peu, on boit un petit coup si besoin. Hydratez-vous, pas d'alcool. Je vous fais confiance. On va passer au sol. En montée, Kimber, Kimber rentrée. Je n'arrive plus à parler. Top. Là, on rentre les genoux vers le coude opposé. Et on y va en courant. Allez, si c'est dur, on tient 35-40 secondes. Mais on essaie de tenir 45. On se donne un maximum, tout est possible. Si je peux le faire, vous aussi. Voilà, le but du sport, c'est au-delà du physique, c'est aussi se dépasser, avoir confiance en soi. Être déstressé. Être prêt pour la journée. Top. On souffle un peu, on repose les épaules. Cette fois-ci, on va se mettre sur un gainage. De côté. Spider de côté, je lève ma jambe. Je ramène le genou. Top. Et là, on regarde bien droit devant nous. On est focus. On est bien perpendiculaire au sol. Ne bougez pas le bassin trop vers le plafond ou trop vers le sol. Allez, c'est bien. Respirez. Encore quelques secondes. Et on passera de l'autre côté. Top. Et en même temps, ça y est, le soleil se lève en Provence. C'est vous mes soleils, c'est pour ça qu'il s'est levé d'ailleurs. On se repose à deux doigts de s'endormir. Top. Allez, on respire bien. Vous me direz aussi en commentaire quel exercice que vous avez trouvé le plus dur, hein, ou le plus facile d'ailleurs. Les deux m'intéressent. Allez, encore 10 secondes. Qu'est-ce que c'est dans une vie? On est focus. On fait tous ensemble. Plus motivé que jamais. Top. Cette fois-ci, on va repasser sur les deux mains et on va venir faire deux spiders à gauche, deux spiders avec la jambe droite. Top. Donc, milieu, côté, milieu, côté. On essaie d'être abside. C'est presque si on ne repasse pas la jambe. Allez, ça travaille bien les abdos. Et les bras en même temps. Soufflez bien durant les exercices. On n'est pas en apnée. Top. Un petit peu et on va passer en burpees. On vient faire deux spiders et on remonte. Pas de pompe et un petit saut si vous pouvez en remontant, sinon vous remontez en squat. Top. 1, 2, je remonte en sautant. Top. 1, 2, allez, 1, 2, 3 même. 1, 2, 3. Et on saute, on est dynamique.
C'est un semi-burpees. Celui-là, et on va passer en jumping jack. On écarte, on revient. Top. Et là, on peut le faire lentement. On essaie d'y aller un petit peu. Des dynamiques. On avale son nombril, toujours. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Après ces 30 secondes de repos, on pourra boire. Allez, on tient. Et ensuite, on aura déjà terminé la séance ensemble. Vous voyez que ça passe vite en bonne compagnie. Je reprends mon souffle, je suis à deux doigts d'agoniser. Allez, on se met en position, on va faire une étoile de mer sur le dos. Top. On écarte les jambes, relève le buste. Et on revient. Genoux pliés. Très bon exercice pour le V, pour le bas des abdos aussi, celui qu'on a le plus de mal à voir. Allez, c'est 30 secondes par exercice. Et on va faire une chaise inversée. Top, sur le dos, on vient taper le sol, faire le toucher avec ses talons. On s'aide pas de ses mains. Et le bas du dos ne doit pas être creusé, faites attention à vous. Ne vous faites pas mal. Allez, c'est bien. Et ensuite, on va passer sur les fesses, sur l'arrière des fesses, en V-hold. On va venir faire un V-top. On fait tout l'alphabet ici. Et là, on tient. On est sur l'arrière des fesses, sur le coccyx. Si c'est dur, on peut replier ses genoux, ses jambes. Ça marche très bien aussi. Allez, on ne bouge plus, on est statique. On est gainé, on est musclé.
vers l'arrière, on remonte, on essaie de ne pas toucher le sol, de retenir ses jambes et de tenir un équilibre. Je suis en train d'avancer. Allez, c'est bien. On bouge à la force des abdos. On stoppe. Et là, on passe en V-hold, W, pardon. On bouge plus statique. On fait tout l'alphabet aujourd'hui. Après, on fera le A. Allez, on tient. Dans 10 secondes, on passe sur un gainage à l'envers. Donc, dos vers le sol. Et un, top. Et là, gainage à l'envers, on remonte. Un genou et l'autre. Une jambe et puis l'autre. On est bien gainé. On pousse le bassin vers le plafond. Et le bassin est rétroversé. Allez, on tient. Et ensuite, on va venir faire un gainage de face. Top. Gainage de face, on vient toucher un genou et puis l'autre. On frôle le sol et on repart. On ne s'appuie surtout pas sur les genoux. Et là, encore une fois, le bas du dos n'est pas creusé. Vous devez rétroverser le bassin. Et on va faire un petit crunch. Deux secondes. Top, on se retourne. Et là, petit crunch. On reste en l'air. Et on est rapide. Petit mouvement. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça chauffe. Et ensuite, on va passer en Superman. Allez, c'est bien, là on rentre son nombril. Vous ne devez pas avoir le ventre gonflé. Essayez de le retenir. Top. Sur le dos. Superman. On lève ses jambes et ses bras. Et on revient. Très important de travailler son dos quand on travaille ses abdos. Pour que la sangle abdominale soit encore plus solide et visible. Allez, on lève et on repose. Et on va tenir, tiens, en l'air. On essaie d'étendre ses bras, de lever ses jambes. Et on tient. Même les fessiers sont contractés au passage. Allez, c'est le dernier exercice. Allez, on tient. Très très efficace de travailler le dos. Pour se tenir encore plus droit. Top. C'est un travail complémentaire à celui de devant, les abdos. J'espère que la séance vous a plu. Moi en tout cas j'ai bien transpiré. Je suis bien décoiffée, c'est bon signe. On se retrouve tous les deux jours pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous pour avoir accès à toutes les séances gratuitement. Je me ferai un plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous, faites du sport. Gros bisous, l'équipe.